Nous allons parler ce soir de la nécessité de porter du fruit comme l'une des conditions pour devenir et demeurer disciple. This evening we are going to talk about the necessity of bearing fruit, one of the conditions to be and to abide a disciple. Quelqu'un lise pour nous Jean chapitre 15 verset 8. Someone read for us John 15 verse 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Amen. John 15, verse 8. This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourself to be my disciples. Amen. Chaque disciple est appelé à porter du fruit. Each disciple is called to bear fruit. Celui qui ne porte pas de fruit rend un très mauvais témoignage. The one who does not bear fruit gives a very bad testimony. Porter du fruit pour le frère Zach, l'auteur du livre que nous sommes en train d'étudier. Carrying fruit, bearing fruit, according to Brother Zach, the author of the book that we are studying. Et la condition naturelle d'être disciple. Is the natural condition to be a disciple. Et de continuer en tant que disciple. And to continue as a disciple. Donc un disciple bien né, un disciple normal, porte nécessairement du fruit. A disciple who is born correctly, a normal disciple, will naturally bear fruit. Jésus dit ici, si vous portez beaucoup de fruits. Jesus says in John 15, verse 8, this is to my Father's glory. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. That you bear much fruit, showing yourself to be my disciples. Le disciple doit porter du fruit. The disciple has to carry, bear fruit. S'il ne porte pas de fruit, if he doesn't bear fruit, il n'est pas disciple de Jésus. He is not disciple of Jesus. Depuis l'Ancien Testament, since the Old Testament, Dieu a toujours exprimé, manifesté son désir de voir les hommes porter du fruit, ceux qui le servent, ceux qui sont de son peuple. Il veut qu'il porte du fruit. Since the Old Testament, God has always expressed the desire to see those who serve him, those who follow him, bearing fruit. Prends ta Bible et lis pour nous Isaïe 5, verset 1 à 7. Isaiah 5, 1 to 7. Suivez très bien. Let's listen carefully. Soyez très attentifs. Please be attentive. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plant délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis, il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées,
afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé. De la justice, et voici des cris de détresse. Amen. 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 Vous voyez ici, Dieu nous montre comment il a travaillé pour que Israël porte du fruit et du bon fruit. Yet God is showing how he worked so that Israel should carry fruit, should bear good fruit. La vigne avait été arrosée, le sol avait été remué. On avait enlevé les, il avait enlevé les pierres. The vineyard was watered and cleared, and he had removed the stones. Et il a bâti une tour. And he built a watchtower. Il a creusé une cuve. And cut out a wine press. Qu'est-ce qu'il espérait? What was it expecting? Il est écrit. It is written. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Then he looked for a crop of good grapes. Et au contraire de tout cela, elle en a produit du mauvais. And in the contrary, it yielded only bad fruit. Porter du fruit. Bearing fruit. Est une condition naturelle. Quand tu es disciple, tu dois porter du fruit. It is a natural condition. When you are a disciple, you have to bear fruit. Vous savez, le travail que Dieu accomplit. Ou alors le travail que Dieu a accompli pour qu'un être humain devienne disciple est semblable à ce travail que le vigneron a accompli. The work that God has accomplished for someone to become a disciple is the same thing like the one who does the vineyard did. Le salut est une œuvre de délivrance. Salvation is a work of deliverance. Et cette délivrance commence par la délivrance du péché. And that deliverance starts with the deliverance from sin. Parce que le péché est un lien de la mort. Because sin is a tie with death. Là où il y a le péché, là règne la mort. There is death. Et quand il y a la mort, il y a la stérilité. And when there is death, there is barrenness. Il n'y a pas de vie. There is no life. Donc il n'y a pas de fruit. There's no fruit. Dieu a rempli l'homme, le jeune disciple du Saint-Esprit. God has filled the young convert, the young disciple with the Dès Holy Spirit. Dès la première seconde, quand tu dis j'accepte Jésus. From the very first second, when you say I accept Jesus. La demeure de Jésus, c'est dans l'homme, dans l'être humain, dans l'homme intérieur, dans le cœur. The home of Jesus is in man, in the heart of man. Et quand Christ est en nous, and when Christ is in us, tout est possible. Everything is possible. On peut tout espérer, sur même la vie éternelle. We can hope for everything, even eternal life. Qui est le plus grand don. Which is the biggest gift. Il est écrit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ in us, the hope of glory. Il est écrit que Christ est le deuxième Adam, et le deuxième Adam est un esprit vivifiant. It is written that Christ is the second Adam, and the second Adam is the spirit which brings life. Jésus ne peut pas habiter en l'homme et l'homme reste stérile. Jesus cannot dwell in man and man remains barren. Il ne faut pas croire à cet évangile-là. Don't believe that gospel. La délivrance du péché n'est pas quelque chose de trop compliqué, difficile. Deliverance from sin is not something that is too complicated and difficult. Dieu délivre l'homme du péché. God delivers man from sin. Par la présence de Jésus-Christ en l'homme. By the presence of Jesus Christ in man. Et l'homme est appelé chaque jour. A man is called every day. À exercer son discernement. By exercising his knowledge. Pour marcher selon l'Esprit. To walk according to the Spirit. Le vrai travail de l'homme n'est pas de se délivrer du péché. The true work of man is not to deliver himself from sin. L'homme entre dans la délivrance. Man enters into deliverance. C'est un héritage. It is a heritage. Jésus, les apôtres disaient, la promesse est pour vous.
The apostle said, the promise is for you. Et pour tous ceux qui sont au loin. And for all those who are far away. Dès que quelqu'un dit j'aime Jésus, je l'accepte, l'esprit de Jésus entre en lui. As soon as someone says, I love Jesus, I accept him, the spirit of Jesus enters in him. Et parmi les grandes promesses de Dieu, and among the great promises of God, il y a la promesse de la présence de Jésus en nous. There is the promise of the presence of Jesus il a in dit, us. Vous connaîtrez que je suis en mon Père. He said, you will know that I am in my Father. Que vous êtes en moi et que je suis en vous. And that you are in me and I am in you. C'est une promesse ferme, sûre. It is a sure promise. Que tous ceux qui ont cru sauront. Dieu va travailler de telle sorte qu'ils sachent que Dieu habite en eux. That all those who believe will know. God will work in such a way that they will know that God is in us. Quand l'apôtre Paul déclare, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est sûr, c'est le travail du Saint-Esprit qui compte. When Apostle Paul declares that I can do all things through Christ who strengthens me, he's counting on the work of the Holy Spirit. Si Jésus est en nous, if Jesus is in us, nous avons la vie. We have life. Et nous allons manifester la vie. And we are going to manifest life. Et c'est cette vie manifestée qu'on appelle le fruit. It is that manifested life that is called fruit. Et qui a des conséquences énormes. Which has big consequences. Vous notez ceci. Write this down. Il y a le fruit du témoignage. There is the fruit of testimony. Le témoignage que tu rends quotidiennement. The daily testimony that you give. Parce que tu as donné la vie à Jésus. Because you've given your life to Christ. Ton témoignage au quotidien. Your daily testimony. Est un fruit. It's a fruit. Quand on est rempli de l'Esprit de Dieu, when we are filled with the Spirit of God, on est rempli de l'Esprit du témoignage. We are filled with the Spirit of testimony. Tu es en train de dire aux hommes, you're telling men, venez, venez, venez. Come, come, come. Jésus est le Sauveur, venez, venez. Jesus is the Savior, come. Venez voir comment il m'a sauvé. Come and see how he saved venez me. Venez voir ce que vous allez devenir si vous le recevez. Come and see what you will become if you accept him. Ce discours. This speech, cette fermeté et cette assurance, this assurance and this firmness, sont des fruits, are fruits qu'il faut manifester. That you have to manifest. Prêcher l'évangile avec doute, preaching the gospel with doubt, avec incertitude, with insight, avec confusion, with confusion, avec des erreurs, with errors, c'est manquer du bon fruit. Is lacking good fruit. Un homme. A man, un prédicateur, a preacher, un enfant de Dieu, a child of God, qui ne comprend pas les Écritures, who doesn't understand the scriptures, qui confond les Écritures, who mix up scriptures, n'est pas animé par l'Esprit de Jésus. He doesn't have the spirit of Jesus. Il ne porte pas du bon fruit. He doesn't carry good fruit. Quand tu es rempli de l'Esprit de Jésus, when you are filled with the spirit of Jesus, tu manifestes la gloire et la grandeur de Dieu. You manifest the glory and the greatness of God. Tu portes du bon fruit. You bear good fruit. Tu prêches. You preach. Et les gens se convertissent. And people get converted. Ils ne se réforment pas, ils se convertissent. People don't just get reformed, they get converted. Tu prêches. You preach. Les gens acceptent. People accept. Et ils te suivent. And they follow you. C'est du bon fruit. That is good fruit. Prêcher. Preaching. Gagner les âmes. Winning souls. Qui partent adorer Dieu à la mosquée. And they go and worship God in the mosque. Tu n'es pas encore prédicateur. You are not yet a preacher. Tu n'as pas de bon fruit. You don't have good fruit. Avoir ces âmes dans le catholicisme et toi, tu es là seul. Tous les jours, tu prêches et les gens s'en vont au monastère. Tu n'as pas encore prié. Having souls in a Catholic church is not a good fruit. Every day you preach and people are there in the Catholic church is not a good fruit. Les âmes gagnées authentiquement sont là où tu es. Winning souls genuinely are where you are. Ils adorent avec toi. They worship with you. Ils prient avec toi. They pray with you. Ils ont en eux ce qui était dans ces disciples qui disaient reste avec nous, Seigneur, le jour décline. They have in them what were in the disciples that they could say, stay with us, O Lord, the day has gone by.
les vrais disciples gagnés sous l'onction du Saint-Esprit prient, reste avec nous, reste avec nous. True disciples, one under the anointing of the Holy Spirit, will pray, stay with us, stay with us. Il y a du fruit de l'Esprit. There is the fruit of the Spirit. Il y a la transformation de l'homme. That's transformation of man. Jésus se forme en toi. Jesus is formed in you. Ce que la parole appelle la formation de Christ en nous. What the word calls the formation of Christ in us. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Quelqu'un lise pour nous Galates 4, verset 19. Someone read for us Galatians 4, verse 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Alléluia. Praise the Lord. Il faut devenir comme disciple. You have to become like a disciple. Dans tout ton être. In all your being. On appelle ça la formation de Christ en toi. That is called the building up of Christ in you. Si tu es disciple. If you are a disciple. Et que tu ne connais rien de la douceur de Christ. And that you know nothing of the meekness of Christ. Tu ne connais rien de la compassion de Christ. You know nothing about the compassion of Christ. Tu ne connais rien de la fidélité de Christ. You know nothing about the faithfulness of Christ. Tu ne connais rien de la loyauté de Christ. You know nothing about the loyalty of Christ. Tu n'es pas un bon disciple. You are not a good disciple. Tu portes de mauvais fruits. You carry bad fruits. Tu portes de mauvais fruits. You bear bad fruits. Ma prière est que les enfants de Dieu reviennent à la loyauté. My prayer is that the children of God will come back to loyalty. À la fidélité. To faithfulness. Dans notre œuvre. In our work. Les relations sont très déterminantes. Relationships are very important. Parce que c'est les bases de la communion fraternelle. Because they are the foundation of brotherly fellowship. Et les vertus qui protègent la communion fraternelle. And the virtues which protect brotherly fellowship. Sont la loyauté, la fidélité. Our loyalty and faithfulness. Et la miséricorde. And mercy. Parce qu'il faudra garder tes promesses. Because you have to keep your promises. Il faudra être fidèle aux alliances avec les autres. You have to be faithful with covenants with others. Il faudra exercer la miséricorde pour demeurer ensemble. You have to exercise mercy in order to dwell together. Il faudra demeurer loyal pour reconnaître toujours au-dessus de soi l'autorité spirituelle. You have to remain loyal in order to always remember that above you there's a spiritual authority. Que le diable, le démon ne t'amène jamais à cacher quelque chose à ton faisant de disciple. That demons will never lead you to hide things from your disciple maker. Personne ne doit te dire faisons ça, mais ne dis à personne. No one should be able to tell you let's do this, but don't say anything to anyone. Si tu obéis à cette injonction, tu seras son esclave spirituellement. If you obey to that word, you are going to be his slave spiritually. Galates 5, verset 22. Galatians 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Amen. Alléluia. Donc, le fruit de l'esprit. The fruit of the spirit. C'est l'amour, la joie, la paix. Is love, joy, peace. C'est la patience, la bonté. Patience, kindness. La bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Goodness, faithfulness, gentleness and self-control. Ça doit être visible. It must be visible. Ça doit étonner les hommes. It has to amaze men.
Ça doit susciter les actions de grâce. It has to bring forth thanksgiving. La transformation doit être évidente. Transformation should be evident. Et les gens qui sont autour de toi doivent témoigner que tu as changé. People who are around you must testify that you have changed. Quand tu portes du fruit, when you bear fruit, ton témoignage est puissant. Your testimony is powerful. Quand tu ne portes pas de fruit, when you don't bear fruit, dans le témoignage, pas de fruit, dans le caractère, pas de fruit. In the testimony, no fruit. In the character, no fruit. Dans le service, pas de fruit. In the service, no fruit. Dans le gagnement des âmes, pas de fruit. In soul winning, no fruit. Tu n'es pas un disciple. You are not a disciple. Tu n'es pas un disciple du Seigneur Jésus. You are not a disciple of the Lord Jesus. Le disciple du Seigneur Jésus, the disciple of the Lord Jesus, porte de bons fruits. Bear good fruit. Et beaucoup de fruits, pas un petit fruit bon, beaucoup de bons fruits. Many good fruits, not a little tiny fruit, many good fruits. Parce que c'est une œuvre du Saint-Esprit. Because it is the work of the Holy Spirit. C'est Dieu qui produit. It is God who produces. Parce qu'il est là. Because he is present. C'est quand il n'est pas là qu'il y a la stérilité. It is when he is absent that there is barrenness. Alléluia. Praise the Lord. Lorsqu'un frère ne porte pas de fruits, when a brother doesn't carry fruit, il ne demeure pas en Christ. He cannot abide in Christ. Quelqu'un lit pour nous Jean chapitre 15 verset 5. Someone read for us John 15 verse 5. Je suis le cèpe. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Amen. John 15, 5. I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Amen. Vous notez ceci. You write this down. Le Seigneur continue en disant que si quelqu'un ne porte pas du fruit, le Père va le couper. The Lord continues by saying that if someone does not bear fruit, the Father would cut him off. Vous savez, you know, il y a plusieurs manières de lire la Bible. You have many ways of reading the Bible. Certains lisent la Bible parce qu'ils fuient les attaques des démons, ils lisent des psaumes. Some people read the Bible because they are running away from the attacks of demons, so they read Psalms. Il y en a qui lisent la Bible dans un esprit de contradiction. Some read the Bible in a controversial mind. Ils ne lisent pas pour comprendre la parole de Dieu. They don't read to understand the word of God. Ils lisent pour chercher les versets qui vont leur permettre de discuter avec les hommes. They read to look for verses that are going to enable them to argue with men. Ils n'obéissent pas au Saint-Esprit. They don't obey to the Holy Spirit. J'étais à Yamoussoukro un jour. I was in Yamoussoukro one day. Je prêchais l'évangile à un jeune homme. I was preaching the gospel to a young man. Et je lui parlais de la nécessité d'abandonner le péché, de se repentir. I was talking to him about the necessity of forsaking sin and to repent. Il dit, mais Jésus a dit que il n'y a de bon que Dieu seul. He answered me, Jesus said that no one is good except God. Donc il y a des groupes de prières, des religions, je ne sais pas si je peux appeler ça religion, des groupes d'études bibliques qui se spécialisent à chercher des versets qui vont leur permettre de contrecarrer la vérité évangélique. There are some group of Bible study who are specialized in looking for verses that will make them to go against the truth. On leur dit, si on vous dit d'être bon, répondez que, n'est-ce pas, Jésus lui-même a dit qu'on ne peut pas être bon. And they will tell them, if they ask you to be good, answer them that Jesus said that no one can be good. Et si tu vas plus loin, and if you go further, ils sont bloqués. They are blocked. Et le temps d'aller encore se fortifier pour revenir discuter.
the time to go and strengthen themselves and come back and argue. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Quelqu'un qui boit l'alcool. Someone who drinks alcohol. Il est sous. He's pauvre, drunk, misérable. Poor, miserable. À cause de l'esclavage. Because of slavery. De l'alcool. Of alcohol. Pendant que tu lui parles. While you're talking to him. Il te dit, Jésus a transformé l'eau en vin, non? He will tell you that Jesus changed water into wine. C'est écrit dans la Bible. It is written in the Bible. Mais ceux qui lisent la Bible, but those who read the Bible, sous l'onction du Saint-Esprit, under the anointing of the Holy Spirit, ont trouvé que la parole de Dieu était la vie même. They have seen that the word of God was life. Elle sanctifie. That the word of God sanctifies. Elle éclaire. The word of God brightens. Quelqu'un lit pour nous Hébreux chapitre 4 verset 12. Someone read for us Hebrews 4 verse 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Amen. Hebrews 4:12. For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitude of the heart. Amen. La parole de Dieu fait quoi? What does the word of God does? Really? Read. Car la parole. For the word of God. La parole de Dieu est vivante. Elle est vivante. She is living. The word la of God is living. La parole de living. Dieu est vivante. The word of God is living. Et efficace. La parole de Dieu est efficace. The word of God is active. Plus tranchante qu'une épée. La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée. The word of God is sharper than a sword. Quelconque à deux tranchants. Elle est tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. She's sharper than a sword of double-edged sword. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. La parole de Dieu est pénétrante. Elle pénètre en l'homme. Elle sépare l'âme et l'esprit. The word of God penetrates man and separates soul and spirit. Ça, on appelle ça la sanctification. Ça sépare l'âme et l'esprit. That is what is called sanctification. It separates soul and spirit. Jointures et moelles. Jointures et moelles. Joints and marrows. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle juge, la parole de Dieu juge les sentiments. Les sentiments qui sont cachés en toi. La parole de Dieu juge les pensées de ton cœur caché. The word of God judges the sentiments which are hidden in your heart and your emotions. Là où tu ne peux pas arriver. Where you cannot get there. Là où l'homme ne peut pas atteindre. Where a man cannot reach. La parole de Dieu pénètre au fond de ton être. The word of God penetrates the end of your being. La parole de Dieu peut faire que tu marches au milieu des gens nus et tu n'as pas de problème. The word of God. Il y a une séparation entre ta chair et ton esprit. The word of God can make that you walk among people who are naked. You have no problem because there's a separation between your flesh and your spirit. Quand la parole de Dieu n'habite pas en toi. When the word of God doesn't abide in you. Tu vas convoiter même les animaux. You're going to envy even animals. Tu auras honte de toi-même. You'll be ashamed of yourself. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? La parole de Dieu est vivante. The word of God is alive. Elle ne peut pas entrer en toi et tu n'as pas de fruit. It cannot enter into you and you have no fruit. Tu dois avoir du fruit. Tu you dois must porter du fruit. Bear fruit. Tu dois porter du fruit. You must bear fruit. Le figuier maudit avait été maudit pourquoi? Why? Il n'y avait pas de fruit.
Why was the fig tree cursed? Because he didn't have fruit. Il faut prendre au sérieux la nécessité de porter du fruit. You have to take seriously the necessity of bearing fruit. Parce que Dieu a tout fait, il a travaillé, il a arrosé, il a planté. Because God has done everything, he has watered, he has planted. Il les monde. He prunes. Pour qu'il y ait davantage de fruits. So that there should be more fruit. Si nous prenons nos Bibles. If we take our Bibles. Luc chapitre 13, verset 6 à 9. Luke 13, verse 6 to 9. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors, il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être, à l'avenir, donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » Amen. La menace est claire ici. The threatening is clear here. Il faut couper le figuier. You have to cut the fig tree. Et son péché, c'est quoi? And what is the sin? Il n'a pas porté du fruit. The fig tree didn't bear fruit. Il dit encore cette parabole. Un homme avait un figuier. A man had a fig tree. Il vint pour y chercher du fruit. Il vint pour y chercher du fruit. And he went to look for fruit. Et il n'en trouva point. But did not find any. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit. 3 ans, chaque année il vient. Chaque année il vient. 3 ans. So he said to the man who took care of the vineyard, for 3 years now I have been coming to look for fruit. Je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. I've been coming to look for fruit on this fig tree and haven't found any. Coupe-le. Cut it. Pourquoi occupe-t-il inutilement la terre? Why should it use up the soil? Chaque année. Each year. Le maître est là. The master is there. Mais il n'y a pas de fruit. But no fruit. Il faut prendre au sérieux la condition de porter du fruit. We have to take seriously the condition of bearing fruit. Je disais qu'il y a des gens qui lisent la Bible avec des esprits différents. I was saying that some people read the Bible with different spirits. Quelqu'un peut lire ce verset, il passe. Someone can read this verse and just pass. Parce qu'il ne comprend rien. Because he doesn't understand anything. Il lit la parole sans révélation. He reads the word without any revelation. Il ne voit pas ce que Dieu veut lui montrer. He doesn't see what God wants to show him. Dieu veut montrer le danger de vivre sans fruit. God wants to show the danger of living without fruit. En d'autres termes, Dieu veut dire qu'on ne peut pas être de lui et manquer du fruit. In other words, God wants to say that you cannot belong to him and you lack fruit. Et une personne sans fruit veut tout simplement dire qu'elle est inutile, qu'elle occupe la terre inutilement. Someone who doesn't bear fruit just wants to say that he's using the soil uselessly. Il faut tout faire. You have to do everything. Pour avoir un témoignage. To have a testimony. Rendu en toi-même par l'Esprit de Dieu. Testifying in yourself by the Spirit of God. La parole de Dieu dit que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. The Bible says that the Holy Spirit gives testimony of our spirit that we are children of God. Il faut.
Qu'il y ait ce témoignage. There must be that testimony. Que parce que nous avons cru. Because we have believed. Nous portons du fruit. We bear fruit. Quelqu'un qui garde la colère depuis qu'il a cru, la colère. Attention. Someone who keeps anger since he believed, anger. Be careful. Ça veut dire. It means que tu n'es pas transformé. That you are not transformed. Ça veut dire que l'Esprit de Jésus ne travaille pas en toi. It means that the Spirit of Jesus is not at work in you. Ça veut dire que tu n'as pas laissé l'Esprit de Jésus te posséder. It means that you did not allow the Spirit of Jesus to possess you. Quand tu désobéis. When you disobey. Tu l'attriste. You make him to be sad. You grieve him. Quand tu médites sur le péché. When you meditate on sin. Tu médites, tu conçois le péché et tu médites le péché. That means you conceive sin and you meditate on sin. Même si tu n'as pas encore pratiqué, le temps de la conception ou de la méditation est déjà un temps de mort. Even if you've not yet practiced it, from the time that you're conceiving it and you're meditating upon it, it's already a time that is dead. La colère. Anger. La jalousie. Jealousy. L'orgueil. Pride. Ce sont des péchés qui s'attaquent directement au Saint-Esprit. These are sins which attack directly the Holy Spirit. Le Saint-Esprit vient pour régner là où les hommes ont cédé tout à Christ. The Holy Spirit comes and reigns where man has given up everything to Christ. Il est dit qu'il n'était pas encore descendu parce que Christ n'était pas encore glorifié. It is said that the Holy Spirit had not yet come down because Jesus Christ was not yet glorified. Là où Christ est glorifié, là le Saint-Esprit descend et possède. Where Christ is glorified, there the Holy Spirit will come down and possess. C'est là qu'il opère des miracles. That is where he operates miracles. Il produit des changements, des transformations radicales. That's where he produces radical transformations. Les ivrognes délivrés, les prostituées délivrées, les sorcières délivrées. Sorcerers, prostitutes delivered. Il résout les problèmes de caractère, il résout les problèmes de possession démoniaque. He solved the problem of attitude and demonic possessions. Un homme délivré, même la délivrance est un fruit. Deliverance is a fruit. Tu vis avec les démons, ils doivent partir comme un fruit, comme un résultat. You can't be possessed by demons. They must go as a result, as a fruit. Être oppressé par les mêmes démons est une preuve qu'il n'y a pas de fruit, qu'il n'y a pas de bon fruit. To be oppressed by the same demons is a proof that there's no good fruit. La parole de Dieu dit. The word of God says. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve. When the enemy will come like a flow. L'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. The Holy Spirit will cast him away. La liberté. Liberty. C'est un grand fruit en Christ. It's a great fruit in Christ. La délivrance. Deliverance. C'est un fruit. It's a fruit. La guérison physique. Physical healing. Les envoûtements et toutes les maladies d'envoûtement. Bewitchment and all the sickness through bewitchment. C'est un fruit. It's a fruit. La délivrance de la sorcellerie. Deliverance from witchcraft. C'est un fruit. It's a fruit. Être en Christ et continuer à attaquer les gens parce que tu n'as pas été délivré, ce n'est pas bon. To be in Christ and you continue to attack people because you've not yet been delivered is not good. Tu dois rechercher ta délivrance. You must seek your deliverance. Jusqu'à ce que tu aies un témoignage. Until you have a testimony. Je suis délivré de la sorcellerie. That I am delivered from witchcraft. Les querelles. Quarreling. La vantardise. To boast. Les disputes. To argue. Doivent finir. Must end. Comme fruit. As a fruit. D'être en Christ. As a fruit of being in Christ. Comme une œuvre, tu es une œuvre de Dieu. Toute ta personne est une œuvre de Dieu. Your whole being is a work of Dans God. Dans la nouvelle création. You are a work of God in the new creation. Dieu agit en toi. God is at work in you. Pour te rendre semblable à lui. To make you to be in his resemblance. Dieu n'a pas perdu la bataille. God has not lost the battle. Ah, même avec la chute de l'homme. Even with the downfall of man, ce qu'il avait prévu sera accompli.
What he had predestined will be accomplished. Il y aura des hommes et des femmes semblables à lui. There will be men and women in his likeness. Ayant autorité sur les ténèbres. Having authority over darkness. Et qui vont vivre avec lui dans l'éternité. And who will live with him in eternity. Acclamation à Jésus-Christ. Clap offering to Jesus Christ. Hébreux chapitre 6. Hebrews 6. Hébreux chapitre 6, à partir du verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Amen. 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 Voilà ce que le Seigneur dit. This is what our Lord is saying. Une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle. Land that drinks in the rain of tents flowing on it. Doit produire une herbe utile. And that produces a crop useful. Si elle ne produit pas une herbe utile, if it does not produce a useful crop, elle ne participe pas à la bénédiction de Dieu. It doesn't participate to the blessing of God. Elle doit être coupée et jetée au feu. It must be cut and thrown into fire. Si quelqu'un ne porte pas de fruits, if someone doesn't bear fruit, c'est une preuve qu'il n'y a pas la vie de Christ en lui. It is a proof that that person does not have the life of Christ in him. Cette vérité ne doit pas t'énerver. This truth should not annoy you. Et ne tente pas de dire mais je suis en Christ, mais je suis en Christ. But don't try to seduce yourself and say I am in Christ, I am in Christ. Le Seigneur te donne un moyen pour t'évaluer, pour t'éprouver. The Lord is giving you a way to evaluate yourself. Est-ce que tu portes du fruit? Do you bear fruit? Qu'est-ce qui a changé? What has changed? Parce que tu as cru. Because you have believed. Cite une chose. Name one thing. Cite une deuxième. Another thing. Cite une troisième. Another thing. Cite une quatrième. Name the fourth thing. Cite une cinquième. Name the fifth thing. Cite une sixième. Name the sixth thing. Qu'est-ce qui a changé? What has changed? La terre arrosée n'a pas produit une herbe utile. The land that was watered did not bring forth a useful crop. Elle a produit des épines, des ronces. It produced crowns and thistles. Elle est réprouvée et près d'être maudite. On finit par y mettre du feu. But the land that produces thorns and thistle is worthless and is in danger of being cursed. In the end, it will be burned. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Que quatre personnes viennent prier. Let four people come and pray. Que les frères, les enfants de Dieu, les croyants ne se séduisent pas eux-mêmes. That brethren will not seduce themselves. Que chacun regarde dans sa vie. That each one will look into his or her life. Et répondre à la question, qu'est-ce qui a changé? And will answer to the question, what is it that has changed? Où sont les fruits que le maître vient chercher? Where are the fruits that the master is coming to look for? Où sont les fruits? Where are the fruits? Seigneur, nous prions au nom de Jésus-Christ. Et nous te rendons grâce. Pour ta parole, Seigneur. Père, je prie pour moi-même et je prie pour mes frères. Garde-nous de nous séduire, Seigneur. Ô Dieu,
quand nous ne portons pas du fruit, ou quand les fruits, Seigneur, sont rares. Ô Père éternel Dieu, accorde, Seigneur, à chacun d'entre nous, Seigneur, de coopérer avec toi. Ô Dieu, de prendre même le deuil, Seigneur, si les fruits manquent, si le fruit manque, Seigneur, afin que nous ne soyons pas rejetés, Seigneur, afin que nous n'ayons pas couru en vain, Seigneur. Je te supplie pour moi-même, Seigneur. Je te supplie pour mes frères. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, donne-nous, Seigneur, de regarder, Seigneur, chacun à sa vie et de se demander qu'est-ce qui a changé depuis que j'ai donné ma vie à Jésus. Et de nous évaluer nous-mêmes. Seigneur, donne-moi, Seigneur, de faire l'inventaire. Oh, Seigneur, de ce qui a changé. Seigneur, donne-moi de regarder en cette année ce qui a changé. Oh, Seigneur, afin que le maître revenant, je ne sois pas disqualifié. Seigneur, donne à chacun de mes frères, oh, Seigneur, et de toute l'Église, de regarder, Seigneur, chacun en ce qui le concerne, et de ne pas se séduire, de regarder les fruits. Oh Seigneur, Père, s'il te plaît, produis cela en nous. Au nom de Jésus-Christ, amen. Père, nous te disons merci pour cette lumière que tu apportes. Oh Dieu, avec des détails si précis concernant, Seigneur, la nécessité de porter du fruit en tant que disciple du Seigneur Jésus-Christ. Merci de bannir, oh Dieu, toute appréhension de ce sujet, oh Dieu, qui peut facilement amener à se séduire. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ pour moi-même et pour chaque frère. Accorde-nous, Seigneur, de nous examiner, oh Dieu, de répondre avec sincérité, oh Dieu, avec conséquence et consistance à la question de savoir qu'est-ce qui a changé depuis que nous avons cru en Jésus-Christ. Oh Seigneur éternel, oh Dieu, merci de nous préciser que l'objectif ce n'est pas de se mettre en colère, oh Dieu, que d'identifier que Christ n'est plus là, mais c'est de travailler pour se rassurer, Seigneur éternel, oh Dieu, de ne pas être coupé et jeté comme le passage de Luc nous a interpellés. Je prie pour moi-même, oh Dieu. Je prie, Seigneur, oh Dieu, de ne pas aborder ce sujet comme un déjà entendu, hein, que la sincérité nécessaire et toute la dose, Seigneur, de profondeur nécessaire pour travailler de sorte à m'examiner et à revenir à toi, pour me rassurer d'être en train de porter du fruit, soit une réalité dans ma vie. Fais-en de même pour chaque frère, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Lis pour nous les questions relatives à ce paragraphe, à ce chapitre. Please read for us the questions concerning this chapter. Page 41, du même livre. Page 41, the same book. Je lis page 41, à la page 41. Le livre, c'est Faire des disciples, édition Livre Chrétien. The book is The Making of Disciples, The Christian Life Edition. Portes-tu du fruit? Quel genre de fruit portes-tu? Portes-tu beaucoup de fruits? Ton caractère ressemble-t-il à celui du Seigneur Jésus d'une manière croissante? Qui as-tu conduit au Seigneur Jésus? Qui as-tu restauré au Seigneur Jésus? Qui as-tu établi dans le Seigneur Jésus? Que fais-tu personnellement pour t'assurer que les gens dans cette ville, cette nation, ce continent, ce monde entendent l'Évangile, y répondent et rendent une obéissance totale au Seigneur Jésus en toutes choses? Amen.
Voilà quelques questions sur lesquelles chacun peut méditer. These are some questions that each one can meditate upon. Qui résume ce que nous avons dit en développant, en commentant les différents passages lus. Which summarize what we said, commenting the different scriptures we've read. Ce qu'il faut comprendre. What we need to understand. C'est que porter du fruit est automatique. That bearing fruit. C'est une conséquence naturelle. Quand tu es disciple, tu vas porter du fruit. Bearing fruit is automatic. It is a natural consequence. Because when you are a disciple, you must bear fruit. Il y a des choses que tu dois faire pour que Jésus demeure en toi. There are things that you need to do for Jesus to abide in you. Et quand Jésus habite en toi, and when Jesus dwells in you, tu es un enfant de Dieu. You are a child of God. Tu vas marcher. You will walk. Tu vas obéir à Dieu. You will obey to God. Dieu va se révéler à toi. God will reveal himself to you. Et tu vas marcher selon ses voies. And you will walk in his ways. Et tu vas porter du fruit. You're going to bear fruit. Et ton grand travail. And your greatest work. Après ton salut. After your salvation. Ce n'est pas porter du fruit, c'est marcher selon l'esprit. Porter du fruit est ça vient naturellement. Your greatest work after your salvation is not bearing fruit, it's walking according to the Spirit, because bearing fruit comes naturally. Tu réalises que la colère est partie. You just realize that anger is gone. Tu réalises que la convoitise est partie. You just realize that covetousness is gone. Ça c'est la manifestation de la vie de Christ en toi. This is the manifestation of the life of Christ in you. Tu porteras du fruit. You will bear fruit. Quand tu vas commencer à résister aux tentations parce que tu es déjà délivré. When you will begin to resist to temptation because you are already delivered. Quand tu vas planifier l'obéissance. When you will plan obedience. Tu dis Dieu veut que je porte le témoignage, donc je veux sortir demain à telle heure. Rendre témoignage. You say God wants me to carry the testimony, so tomorrow at this time I will go out to testify. Et quand tu sors, and when you go out, en obéissant, in obedience, tu peux rencontrer l'adversité. You can meet adversity. L'esprit te dit sois patient. The Spirit will tell you be patient. Et tu manifestes la patience. Then you manifest patience. Et tu récoltes le grand résultat. Then you will harvest the greatest result. Qu'est-ce que tu as fait? What did you do? On voit le fruit. You see, they see the fruit. Tu as marché selon l'esprit. But you have walked according to the Spirit. C'est pour cette raison que Jésus disait que c'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. That is why Jesus was saying, I chose you, you didn't choose me. Il dit, je vous ai choisi. I chose you. Et je vous ai établi. And I've established afin you. Que vous alliez. So that you go, et que vous portiez du fruit, and you bear fruit, et que votre fruit demeure, so that your fruit will abide. Ne va pas te faire des mortifications pour abandonner le mensonge. Tu prends les pointes, tu piques ton langue et tes lèvres. Don't go and harm yourself so that you can forsake sin. You go and you punch yourself. Le Saint-Esprit, the Holy Spirit, vivifie ton être, brings your spirit back to life. Te donne l'autorité sur la masturbation. It gives you authority over masturbation. Sur le vol, over theft, l'orgueil, over pride. Tu es libre. You are free. Par rapport au péché, tu es libre. Talking about sin, you are free. Mais ce qui va te donner la victoire. But what is it that is going to give you victory? En tant que quelqu'un qui est délivré du péché. As someone who has been delivered from sin. C'est l'engagement. Is your commitment. À marcher selon l'esprit. To walk according to the Spirit. L'engagement à marcher en suivant le conseil de Christ. That is your commitment in walking in the advice of Christ. L'apôtre Paul disait, nous avons en nous
la pensée de Christ. Apostle Paul said, we have in us the mind of Christ. Quand nous sommes devant un problème, when we are facing a problem, nous sommes capables de penser comme Jésus aurait we pensé. Are able to think the way Jesus would have thought. C'est ça qui donne la victoire au quotidien. That is what gives us daily victory. C'est ça qui fait que deux personnes qui ont reçu Jésus, une porte de fruits, l'autre reste stérile. That is what will make that two people who have received Jesus, one bear fruit and the other one is barren. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. You have not chose me. C'est moi qui vous ai choisi. I chose you. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. So that you can go and bear fruit and that your fruit abide. Jean chapitre 15 verset 16. John 15, verse 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. À la semaine prochaine. See you next week.